Laure Albin Guillot est née à Paris en 1879. Elle a fait ses études au lycée Molière, qui était un lycée extrêmement bien fréquenté, dont l'éducation était destinée aux jeunes filles et particulièrement adaptée à celles qui avaient des passions pour les arts. Donc elle a pratiqué la musique dès son jeune âge. Elle se destinait à une carrière de musicienne. Elle a rencontré son époux très jeune. Nous avons deux esthètes. L'une est pianiste de formation et l'autre va devenir compositeur. Lorsqu'elle a épousé Albin Guillot, elle est devenue Laure Guillot. Et comme ça se faisait à l'époque, elle a gardé le prénom et le nom de son époux à coller à son prénom à elle pour devenir Laure Albin Guillot et de signer même par ses initiales qui sont devenues LAG. Au début des années 30, Laure Albin Guillot a deux casquettes. Elle est à la fois photographe, qui a un atelier dans le 16e arrondissement, mais aussi chef d'un service d'État. Elle va être nommée aussi directrice de la première Cinémathèque nationale. Les postes justement officiels qu'occupe Laure Albin Guillot peuvent l'assimiler à la personne qui, en photographie à l'époque, a quelque part le poste le plus important. Elle est un acteur de l'État jusqu'en 1940, date à laquelle elle prend officiellement sa retraite. Non pas sa retraite de photographe, mais sa retraite de fonctionnaire d'État. Elle était une très grande praticienne, une très grande connaisseuse de la technique photographique. Et très vraisemblablement, l'histoire photographique a commencé avec Albin Guillot, avec son époux, à travers la micrographie décorative qui, en fait, initialement est de la photomicrographie et qu'elle va renommer par la suite micrographie, puisque lui-même était collectionneur de préparations microscopiques. C'est-à-dire que Laure Albin Guillot photographie les préparations de son mari, mais tout cela s'arrête. Donc à la publication de Micrographie décorative, qui coïncide grosso modo à la mort de son mari en 1929. Quand Laure Albin Guillot donc commence à travailler pour Vogue en 1922, elle commence par faire des photographies de mode et dans le même temps des photographies de portraits. Elle fait les photographies de portraits, y compris des particuliers, chez elle, rue du Ranelagh. Et quand elle quitte la rue du Ranelagh pour aller boulevard de Beauséjour, elle fait construire donc au flanc de la villa qu'elle y occupe un atelier qu'elle peut aménager pour le faire devenir à peu près ce qu'elle veut. C'est un petit peu le bottin du temps qui défile chez Albin Guillot. Elle va photographier André-Gide Ruvano, Henri de Monterland vient chez elle, Paul Valéry, tout le monde est là. Elle fait beaucoup, beaucoup de photographies de nus, aussi bien à des fins privées qu'à des fins de publication. Elle a des modèles professionnels, mais aussi des personnes privées qui se déshabillent chez elle. C'est vraiment une activité d'atelier de photographe et quelque part de peintre photographique qu'elle pratique pendant 30 ans. Elle est inscrite à la Société des artistes décorateurs. Elle fréquente les membres de l'Union des artistes modernes. Elle travaille avec eux. Elle fait des lampes, soit avec les micrographies, soit avec les photographies de ses fleurs. Elle fait des paravents extraordinaires avec des tirages réalisés par les Fressons, des lacs qui peuvent être de Dunant. Laure Albin Guillot publie en 1933 Photographie publicitaire qui s'adresse aux annonceurs et aux professionnels de la publicité. Lorsqu'elle commence à faire de la photographie publicitaire, c'est le début de la publicité moderne, ce n'est plus de la réclame.
Laure Almaguillot explique que une photographie publicitaire peut s'affranchir de textes, c'est-à-dire véhiculer un message publicitaire uniquement par une construction, par une mise en scène. On trouve deux types de livres dans la production de Laure Almaguillot, les livres d'édition commune. Pendant l'occupation, l'État français publie un certain nombre d'ouvrages, caractère politique bien entendu, et notamment Nouveau dessin de l'intelligence française qui vise à glorifier cette nouvelle intelligentsia française qu'on va mettre en avant. On y trouve deux principaux illustrateurs, c'est Laure Almaguillot et Robert Doisneau. Et on fait appel tout simplement à Laure Almaguillot parce qu'elle est présente, parce qu'elle est connue. Et à côté de cela, on trouve des livres d'artistes, ce qu'elle appelait, elle, des livres de bibliophilie. Elle l'écrit à la fin de sa vie, dans la seule lettre autobiographique que l'on a d'elle, « J'ai fait accepter la photographie dans la bibliophilie ». Ils sont extrêmement précieux, le tirage est très limité, parfois on a 2-3 exemplaires, c'est le cas du Narcisse. Et puis derrière les épreuves de Laure Almaguillot, il y a l'atelier Fresson qui propose des épreuves pigmentaires que l'on peut conserver, c'est-à-dire inaltérables. Il s'agissait surtout pour nous de montrer, de questionner un peu d'abord une époque, une histoire de goût, et de montrer que dans le champ photographique, il existe un personnage à cette époque qui occupe le haut du pavé, pour ainsi dire. Donc pour nous, il était important, pour pouvoir comprendre l'œuvre de Claude Cahun ou d'André Kertész, de garder à l'esprit qu'au même moment, s'il y a un nom en photographie qui est connu, c'est bien celui de Laure Almaguillot. Et Laure Almaguillot s'impose dans une époque, elle impose la photographie, et elle impose une carrière et un certain talent.